accompagnement qui nous a jamais fait défaut, mais principalement pour le rôle que la presse du département, la presse de Mbour, joue aux côtés des populations pour rendre l'information plurielle, l'information décentralisée, l'information au profit des populations, une information accessible, mais surtout pour la qualité de l'information, qui est une information souvent crédible, responsable, qui accompagne les populations, les acteurs politiques, les acteurs publics dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour vous rendre hommage, vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire dans le secteur de la communication, mais tout ce que vous êtes en train de faire pour montrer votre attachement à ce département qui nous est si cher. C'est un prétexte que j'avais voulu pour rencontrer la presse, échanger avec les agents qui l'incarnent sur toutes les questions qui sont des questions de niveau local, départemental ou national. J'avais toujours voulu rencontrer la presse dans ces formats décontractés. Je pense que ça va être notre deuxième rencontre. Malheureusement, on avait souhaité tous que les rencontres soient des rencontres fréquentes, à des dates rapprochées, pour nous permettre justement d'échanger à chaque fois que de besoin sur les questions qui sont les questions qui intéressent nos populations, principalement les populations de Mbour. Aujourd'hui également, nous sacrifions à cette tradition pour échanger avec la presse locale. Ça nous permet de lever les équivoques, ça nous permet de lever les malentendus, ça nous permet aussi de montrer que notre attachement à cette presse locale, de lui faire éventuellement les exclusivités, d'essayer d'établir un agenda de rencontre nous permettant justement de bâtir des relations fondées sur la confiance, des relations fondées sur le respect et des relations au profit des populations.